Après le décès tragique du premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, le PDC RDA de M. Henri Konan-Bédié, frappé à nouveau par un terrible deuil en ce jour. Henri Konan-Bédié, frappé par un terrible malheur après Ahmed Bakayoko. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti! La mort vient de frapper le Parti démocratique de la République de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, le PDC RDA de M. Henri Konan-Bédié, le délégué départemental de Zoué Nola, numéro 1, Dobido Jacques, en Côte d'Ivoire, a tiré sa grande révérence en ce matin. L'annonce vient d'être annoncée sur la page officielle PDC RDA de M. Henri Konan-Bédié. Un autre deuil pour le PDC RDA et ses militants. Mesdames et messieurs, les délégués départementaux et communaux, un malheur vient de nous frapper en ce jour. Le délégué départemental de Zoué Nola 1, notre frère Dobido Jacques, vient de tirer sa grande révérence et vient de nous quitter en ce matin, des suites à une courte maladie en Côte d'Ivoire. C'est annoncé par le secrétaire général exécutif Cyril Biguessan, chargé des sélections, délégations départementales et communales en Côte d'Ivoire, en abrégé SESDDC. Dobido Jacques avait été nommé, comme plusieurs autres délégués, dans le grand cadre de la grande restauration en Côte d'Ivoire et la grande redynamisation du parti politique du PDC-RDA. La grande direction du PDC-RDA de M. Henri Konan-Bédié avait décidé le 6 juin 2017 de la grande nomination de certaines personnalités en Côte d'Ivoire. Objectif, aller aux élections présidentielles de 2020 avec un grand personnel de proximité et beaucoup de sérénité contre le président Alassane Ouattara, avait-il rétorqué avant son décès. C'est encore un autre coup dû pour le Parti démocratique de la République de Côte d'Ivoire de M. Henri Konan-Bédié, le PDC-RDA, qui est encore sous le grand choc de la perte de leur premier ministre en Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, et sans oublier plusieurs autres personnalités décédées au sein du Parti démocratique de notre beau pays. Ahmed Bakayoko a tiré sa grande révérence en Côte d'Ivoire, mais le RHDP du président Alassane Ouattara ne cesse de pleurer le ministre, sans oublier le PDC-RDA de M. Henri Konan-Bédié, lui aussi, frappé par un terrible malheur après Ahmed Bakayoko.